Ah mais ne réponds pas, hein. Vas-y, c'est une... bah, je t'ai dit, je suis en train d'halluciner, je me noie. Rentre si tu veux, vas-y, hein, tu vas voir. Hein. Ah, c'est une zone entière de chambre hallucinogène en fait. Ouais. Ok, bah. Oh putain, y a un truc qui court vers nous là. Oh putain, oh putain. C'est quoi ça? Oh putain, courez. C'est quoi ça? Oh, je sais... C'est oh quoi cette merde? Oh là là. Yo tout le monde, c'est Killer, j'espère que vous allez bien et moi ça va très bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons sur Arc Aberration. Arc Aberration, mon dieu, j'avais tellement hâte. Il faut vraiment que je me calme à chaque fois que ces intros de merde, je sais plus comment les faire. Arc Aberration, du coup nouveau DLC de Arc Survival Evolved qu'on attendait, que moi j'attendais depuis longtemps personnellement. On avait fait l'ending de Arc Survival ensemble, on avait vu ce qui se passait à la fin et c'était juste ouf. Si vous l'avez pas vu, je vous mets juste là. Alors je ne sais jamais si c'est à gauche, à droite, je ne sais pas. Un petit va apparaître à l'écran, vous allez pouvoir cliquer dessus, ça sera l'ending de Arc Survival Evolved. Que vous allez pouvoir regarder, ce qui nous faisait comprendre en fait qu'il y avait encore d'autres planètes dans le système et dont Aberration. Donc ce nouveau DLC qui vient tout juste de sortir, qui est à 20€ si vous voulez tout seul, sachant qu'il y a un pack pour tous ceux qui possèdent déjà Scorched Earth, il a je crois 26€ je crois, et sinon il a 30 balles pour ceux qui possèdent pas Scorched Earth. D'ailleurs il y a des grosses promotions autour de Arc, là il a moins 70% et tout le bordel. Et on va lancer Arc, il est sorti je crois mercredi si je dis pas de conneries, mais avant toute chose je vais vous présenter, on sera 3 durant cette aventure, peut-être un peu plus par la suite, on verra, mais on va la commencer à 3. J'aime pas commencer une aventure genre à 6, à 7, parce que je trouve que c'est trop le bordel. Donc du coup, je suis avec Anto. Comment tu vas, Anto? Je crois qu'il ça va, s'étouffe au même un moment. Peu, un peu malade, je parle du nez, mais ça va. Je crois que t'étais en train de t'étouffer. Non, pas du tout. Et Arkane, comment tu vas? Salut Kiki, salut tout le monde, ça va? Oui, ça va bien. Donc du coup, on va se retrouver les trois. Moi, je n'ai jamais lancé Arc Aberration pour le moment. J'ai attendu exprès pour faire cette vidéo. On est jeudi, le jour où je règle cette vidéo. Il doit être 21h passé. Donc du coup, je ne vais pas beaucoup dormir pour faire le montage et qu'elle soit disponible pour vous vendredi. Anto a lancé le jeu hier. Et il a testé quoi? T'as testé 3h? 9h. 9, d'accord, ok, donc apparemment ça change pas mal. Tout à l'heure c'était 3h, qui nous est maintenant c'est 9h. Donc du coup je n'ai pas lancé le jeu, je ne sais pas ce que ça donne, je ne sais pas de quoi sont faites les créatures, je ne sais pas, enfin j'ai juste vu ce qu'il y avait dans le DLC en termes de vidéo, mais c'est tout, je suis pas rentrée une seule fois dans le jeu, je n'en sais rien. Ça va être la découverte. Arkane pareil, il s'est pas spoilé non plus, on va découvrir les bêtes ensemble. Donc comme bien évidemment vous devez vous en douter, il va y avoir toute une nouvelle catégorie de vidéos qui va débarquer sur la chaîne, tout un... De façon je vais faire plein de vidéos sur les nouveaux timings, sur les nouvelles créatures, sur le nouveau stuff, sur les nouvelles structures qu'il peut y avoir dans le jeu, sur la map, de quoi elle est faite. Il va y avoir énormément de vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Il va y avoir une inverse entière durant cette période de Noël, durant le mois de janvier, février, d'Aberration. Je vous préviens tout de suite les copains. Et... Oh putain! Ouais bah oh, 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 oh. J'ai une grosse bête devant moi là. Oh! Il y a genre des boulements devant moi. Ouais, il y a un tremblement de terre. Il y a des champs énormes. Hein. Si vous voulez faire de la pizza, il y a de quoi faire. Ah, c'est magnifique. Oh wow. Ah, mec, les tremblements de terre, je le sens pas bien. J'ai envie de mobile. Ouais, pareil. Oh putain, il y a un moutmout. Oh wow. Alors. Truc de ouf. Donc, du coup, on va ouvrir la carte, on va essayer de se rejoindre. Oh, il y a des choses qui tombent devant moi. Alors, oui. Moi, je suis. Oh, mais je me fais pousser. Eh oh, les dinos là, eh, un peu de respect, merde. Mais attends, mais je me fais attaquer en fait. Peut-être. Déjà. Mais je me fais déjà attaquer, c'est pas possible. Mais normalement, ils font rien de mal là, pourquoi ils me courent après? Mais arrête. Je suis en 50-10 en fait. T'as quoi autour de toi? Ça sera il y a un bulldog devant bah, moi. Bah vraiment, il y a un portail devant moi, une okay. Espèce de gros cercle. Ah t'as pas un truc à la Stargate? Si. Ouais, moi aussi je suis là. À la limite ce qu'on fait, alors faites très attention, regardez bien autour de vous, on sait jamais. Mais on peut se retrouver si vous voulez au pied, il y en a un qui est bleu, de cercle. Ouais, j'y suis presque. On peut s'y retrouver si vous voulez. Ok. Comme ça... Wow. On va passer la porte des étoiles. Ah le cercle bleu? Ah non, ouais. Y en a un autre qui est encore bleu là-bas. Ouais, mais c'est le cercle bleu, tu sais où c'est qu'il y a une sorte de pilier de travers par-dessus. Wow. Passe quoi, j'ai envie de dégueuler là-haut. Ah. Oh. Attends, elle sent pas bien, elle est en train de se noyer là. Ah, vous êtes mort. Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh putain. Vous avez été tué par un basilisque. J'ai pas vu ce qui m'est arrivé, j'ai été tué. T'as pas vu? Non. Ah, parce que moi j'ai vu tout, hein. Bah, j'ai tout vu plutôt, hein. Mec, je fais réapparaître. Ouais, au moment où je vous vois, vous êtes fait défoncer. Ah, il le savait.
me suis fait tuer par un basilisk 40. Je ne l'ai pas vu, je sais pas moi, ce qui m'est arrivé. Je le savais, non, j'ai rien. Non, moi je savais pas. Oh, attends, je vois quelqu'un courir à poil. Ouais, c'est moi, viens. Viens. Viens, on va rejoindre Arkane qui est là-bas. Et là, Arkane, viens dans ma direction s'il te plaît, parce que le machin il se rapproche de nous là. Le machin il est où? Là-bas derrière. Tu le vois pas là? À gauche. Il est à gauche du cercle bleu. Bah, il est descendu pour péter la gueule à quelque chose. C'est quoi cette arche de ouf là? Bah, en fait, c'est le fameux portail par lequel on est censé arriver ou partir. Alors, attends, je vais juste mettre tout le monde à niveau. Ah, par contre, tribu. Quand tu te fais piquer par cette saloperie, c'est hyper violent parce qu'en fait, tu vois tout en couleur et tout. Non, c'était pas le basilic ça. Bah, c'était écrit vous vous noyez et tout, c'était trop bizarre. Oui. C'était quoi? C'est que t'as marché sur des champignons hallucinogènes. Et what? En fait, ça te faisait halluciner et ton corps croyait que t'étais en train de te noyer. Et moi, je t'ai vu de toutes les couleurs. Hein. C'était un arc-en-ciel et après, tu t'es fait bouffer par le basilic. Après, hein. Bon, on va partir par là-bas. Alors, faut faire gaffe parce que cette fameuse merde de basilisque, il y en a partout. Oh, super. Il y en a partout. Oh, il y a des moutons. Là où c'est très drôle, c'est que nous sommes dans la zone la plus simple. Hein, je vous rappelle. C'est ce que je me disais. Mais. Attends, petite info aussi, le mouton là. Ouais. Bon, là, il est 130, ça va. Mais tu vois le diplo qui est à droite là? Ouais. Ils sont agressifs. Pour aucune raison. Tu passes devant et te mettent des coups de boule. Donc, voilà, ça doit être pour ça tout à l'heure que qu'on voulait m'attaquer. Bon, alors. Bon, moi je vais ramasser un peu de fibres. Ouais, bah je vais ramasser aussi moi. C'est pas tout, on rigole, mais faut peut-être un peu. Mais. Alors, non, faut passer par là. Attends. Moi je. Laisse-moi un petit peu découvrir. Ah, d'accord, mais découvre. Ce n'est pas parce que tu as joué pendant 9 heures que les autres n'ont pas le droit de découvrir. Ah oui, mais moi je ne connais pas la zone. Enfin, j'y suis venu 30 secondes ici, mais je ne connais pas la zone. Non, moi je suis venu quelques. Par contre, si vous voyez des grands pics sortir du sol. Ouais. C'est le fameux basilic qui est enterré, hein. Vous approchez même pas. Hein. Qui est enterré parce qu'ils vont sous la terre. Oui. Je me sens bien là. Non mais tu les vois. Hein. Oh, il y a une note d'explorer ici pour XP. Oh putain. Courez. Il nous a pas vu. Si, c'est pour moi qui vient. Barrez-vous. Putain, ça rase le machin. Oh putain. Cassez-vous. Je vais faire cas pour regarder. Oh, mais c'est énorme. Il est derrière moi, hein, on est d'accord. Hein. Non, il est derrière je sais pas qui là. Chaud, si, c'est moi qui suis là. Il est en train de bouffer je sais pas qui là. Là il attaque un dino là non? Oui parce qu'il me courait, après moi et je courais assez vite donc il est parti attaquer. C'est énorme, bah tu m'étonnes la note d'explorateur que personne vient la chercher. Tu comprends maintenant pourquoi okay, je te disais bon, les... On se casse. Vas-y, on retourne à la note d'explorateur. Ouais vas-y go. Elle est où ta note? En plein milieu. Ok c'est bon vite, je la shoot un gros coup. Ah j'entends des bruits chelous, c'est pas le moment d'ouvrir la note. On lira plus tard les amis. J'entends des bruits bizarres. Oh, viens là, pépère! Oh, il est trop mignon! Oh, on lui met pas des tartes! Il est mignon, tu lui mets des pains dans la gueule! Non, c'est bon! Oh, mais tout trop mignon! Attendez, je vais regarder! Ça s'appelle un bulldog! Un bulbdog! Donc, les amis, je vous dis tout de suite, lui s'appellera Knuckle! Enfin, j'en aurais un qui s'appellerait Knuckle! Parce que moi, j'ai un bulldog, beaucoup le savent! Et du coup, voilà, c'est une petite femelle! Mais voilà, j'appellerai Knuckle! C'est trop mignon! Bon, par contre, je vais commencer à avoir soif et tout, ça va être la merde! Oh, il y a des champipi, faut faire attention! Oui, non, mais c'est les rouges, les champignons, faut absolument éviter! Ceux-là, ça va! Les ramasser. Okay. Et ils se mangent les champignons et te protègent du poison. Oh, cool! Parce que le basilic, je sais pas si t'as vu, mais il fait un peu comme la wyvern de poison. Il crachait du poison, des boules de poison. Oh, tu sais, le poison, c'est pas ça qui nous tue. Ouais, c'est plus son gros. Voilà. Tu peux ramasser les champignons? Ouais, ramasser. Oui. Tant qu'ils sont pas rouges, tu peux te balader dedans. Et... Attention! Ils sont. Ouais, parce que là, il y a tout. Faites gaffe, par contre, on est au bord du ravin là. Vous poussez pas, parce qu'on va prendre trop cher sinon. Alors attends, moi par contre je profite. Attends, je mets le logo. Hop, voilà, effacé. Waouh. Tiens, regarde derrière, il y a un écran fracassé là, si tu regardes bien. Oh, ah oui. C'est vachement futuriste ce nouveau DLC. Beaucoup, hein. Par contre, attends, il va falloir que je bois un coup là. Je veux pas bien. Bon, on va aller vers la flotte là. Ouais, va falloir. Ouais. Vas-y, allez, on y va. Moi je veux découvrir. Oh, regarde, ça donne un petit mélange de Zilla Stofus. Hein. Regarde, ah, la tête. Vous allez découvrir un petit copain. Oh. C'est quoi ça? Attends. Allez, pense aussi à Horizon. Tu vas lui faire un bisou? Ouais. C'est méchant? Non, mais quand il dit ça, je sens mal, surtout s'il m'emmène moi. C'est méchant? Tu verras bien. Bon, j'y vais. Ah, il va se casser la gueule? Non. Il ressemble à rien, il est dégueu. Oh, c'est quoi ça? Ça a des grandes dents? C'est un... Oh, un gros rat. Oh, un rat! Un mâle rôle rat. Oh, il est mignon. Enfin, il est mignon, c'est relatif, mais... Qu'est-ce qu'il y a?
Vous pensez que le plongeon va nous tuer? Quel plongeon? Où ça? T'es où? Ah oui. Oh oh oh. Oh oui, c'est rien, c'est rien. Il se met, il s'enterre. Trop bien. Oh, oh il ne a prenez fait pas tout ma truc. Non, prends pas. Ah ça, ok, il va t'attaquer en fait, en gros c'est ses trucs à lui, c'est ça? T'as déjà vu quand, l'effet que ça fait quand tu piques un œuf à une wyvern? Oui, c'est vrai, oui. Un mauvais souvenir, d'ailleurs. Wow. En fait, le problème c'est que là on pourrait sauter dans la flotte en bas, mais il y a un sarco qui nous attend. Ah oh ouais, non. Oh, il y a des araignées géantes. Ah non, c'est pas une araignée. Non, c'est une espèce de crabe de mer là, je descends pas moi. Je descends pas, c'est bon, j'en ai marre. J'en ai marre. Bah on est bien, bah tu sais quoi, bah on va faire un feu de toute façon. Poste là. Non, mais je suis pas bien, t'as vu la taille du bordel? Pourquoi ils sautent comme ça? Ils ont la bonne capacité de sauter. Oh, il y a une grosse. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a un truc à côté de toi, une plante. Ouais. Wow. Salut l'ami, et regarde quand je m'éloigne. C'est un. Là c'est un cul-de-sac pour s'installer, wow. C'est un peu la merde. Mais t'as c'est vu les ça, créatures c'est... Les créatures elles sont toutes lumineuses. Ouais, oh mais moi j'en veux colorique. Un de ça hein. Give me five mon pote. Tu sais qu'elle a fait quoi? Non, c'est lui qui est rentré dans son truc. Ah, il est en train de se vénère. Vas-y, on se taille. Ouais, mais il se fait un raptor, mais à mon avis, il va le défoncer le raptor. Oh, il est trop beau lui, il y en a un rouge. Ok. Un bulldog. Style. Après, là, ça avait l'air calme en fait, c'est pour ça. Là où il y avait le raptor? Ouais. Bah, mais on a rien pour farmer, c'est de la merde. Alors attendez, les petites bouches comme ça, là, je préfère passer devant. Moi, tu me diras, à la limite, c'est pas découvrir. Plus la merde hein, quand même. Ouais. Ça sent trop le truc où t'as la grosse tanière où t'as un gros bordel qui dort dedans. Sur Ark, à chaque fois que t'as quelque chose qui monte, ça pue. Ah bon, bah ok. Je me sens rassuré d'un coup. C'est hyper beau. Ah, ça c'est beau là. Tu sais, ça fait un peu Avatar. Ouais, carrément. Ouais. Les naissants là, c'est super beau. Oh, il y a un Carnot devant. Hop. Oh, sans déconner. mais sans déconner, est-ce qu'on peut jouer ou comment ça se passe? Je peux vous dire un truc, c'est que pour le moment ça se passe bien. Ah ouais? Ouais, je trouve que. Ouais. Ah ouais, non, mais je vous le dis, pour le moment ça se passe bien. Parce que quand je vous dis qu'il nous a fallu 3 heures. Ouais, les Lucioles. Oh, hey, t'es cool mon pote! Oh, il est 200. Yeah, give me 5. 200. Ouais, à gauche il y a un truc en tout. Ah bah ouais, là on a trouvé l'entrée d'une grotte. Tu veux qu'on aille voir en speed? Ah ouais, ouais, la plupart du temps les grottes ça pue la merde. Hein, mais... Allez, une petite wyvern. Oh, je pense pas que ça serait une wyvern, mais je pense que c'est... Waouh. Oh putain, comment c'est beau. Au-dessus, oh, c'est magnifique. Oh putain, cassez-vous, rentrez pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Ah mais ne réponds pas, hein. Vas-y, Je t'ai dit, je suis en train d'halluciner, je me noie. Rentre si tu veux, vas-y, hein, tu vas voir. Hein. Ah, c'est une zone entière de chambre hallucinogène, en fait. Ouais. Ok, bah... Oh putain, il y a un truc qui court vers nous, là. Oh putain, oh c'est putain. C'est quoi, ça? Oh putain, courez! C'est quoi ça? Moi, je sais... C'est oh quoi là cette là merde? Oh là là. J'en ai jamais vu. Ça va, il me court après. C'est cool. Oh hey, qui c'est pour toi? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh putain! Cours! C'est quoi? Non mais courez, vous arrêtez pas. Il nous lâche pas. Merde. Salut, viens mon pote. C'est bon, il l'a repris. Mais il y en a 5 derrière moi maintenant. C'est un alpha, cette merde! Oh, mais c'est quoi? En fait, c'était bizarre! Il vous suit après, il vous suit! Quoi? Oui! Oui, c'est bon, il s'allume plus, cours! Oh putain! Oh, ça va courir putain de longtemps, ça! Tracez votre route, cherchez pas à comprendre! Tracez! Oh non, y'en a d'autres là! Oh, putain, y'a des chiens! Y'en a plus, ils sont plus là! Si? Ils sont sur moi, ils ont fait demi-tour. L'autre il s'est enterré, hein. Ouais, les chiens faut les éviter. Derrière toi. Je sais, les chiens faut les éviter oh, comme putain, la peste. Oh putain, y'a des chiens aussi. Oui, faites gaffe. Oh, passez où je suis passé, à droite là. Ouais, c'est bon, je suis. Les chiens faut Arcane, les éviter comme la peste. Ouais, ouais, je suis là, derrière. Là faut pas descendre parce que si on descend on va se faire mal. Oh, bon, y'a moyen de commencer dans le jeu ou quand non, juste pour un coup, moi. Putain, c'est quoi ce bordel? Oh, je suis pas bien, mec, hein. Ça a l'air à peu près calme ici, ouais. Sauf ouais, ce que j'allais dire, est-ce qu'on trouverait pas du... Il y a le crabe là-bas, mais... Bah oui, non, mais le crabe, par contre, moi, j'aime pas trop les trucs comme ça. Juste voir là dans les arbres, on sait jamais. Tu l'avais jamais vu en toi, cette créature? Non. Ça. Il y a un spino à droite. Hein. Ok. Ici, si vous voulez, on peut se mettre là, dans les arbres. Ah, mais il y a encore le crabe, là. En fait, tu veux faire quoi? Genre un petit abri de fortune en attendant? Ouais, et le but, vas-y, c'est on fait ça. La base, vraiment... Mais t'as le crabe, il va nous défoncer, regarde, on est trop proche.
Non, il est loin. Ah ouais? Il va... Non, non, on va pas se mettre dans le cul-de-sac, hein. Le cul-de-sac c'est un coup à se tuer 100%. On va se mettre là au niveau des arbres. On va se mettre ici, là, au niveau des arbres. D'ailleurs, petite anecdote. Yeah. Ouvrez votre inventaire. Ouais. Et vous regardez, normalement, il y a marqué Day. 25, ok. Où ça? Attends, je vois pas. Tu vois ton pseudo? Tu vois ton niveau? Ouais. C'est un peu plus bas, il y a marqué Day. Ah ouais, 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 ouais. Et là, t'as vu ce qu'il y a écrit à côté? 10% Night. Ouais. 80... C'est quoi ce bordel? En fait, si tu veux, ça modifie le selon le jour. Enfin, plus jour ou plus nuit. Par exemple, là, on a 90% jour, 10% nuit. Ouais. Mais la plupart du temps, c'est 10% jour, 90% nuit. Non. Si. Toujours comme ça? Principalement, mais après, ça change beau, tout le temps. C'est beau, putain, hein. Sans déconner, je suis en train de regarder, là. C'est magnifique, hein. Et là, il fait nuit, et c'est quand il fait nuit qu'il faut favoriser les gamins. Bon, moi, je vais pas les favoriser, pour le coup. À la limite, j'utiliserai une torche. Bon, je vais aller chercher du bois. Ah mais non, mais je suis bête, Kiki. Eh, la hache pour le bois, quand même, on prend les bonnes vieilles habitudes. Bah non, c'est pas la hache pour le bois. Si. Attends, je tape pas le bon truc ou quoi? J'ai l'impression de pas avoir de bois. Mais c'est du fungal wood. Du fungal wood. Ah mais oui, mais ça me perturbe ce truc. N'oubliez pas de faire une porte, hein. Oui, t'inquiète. Vous pouvez regarder vite fait dans vos engrammes, est-ce que vous avez le glow stick? Ah mais attends, tu voulais peut-être faire l'entrée par là, Anto, non? Par exemple, c'est du S+, tu peux les pick up les murs. Ah, c'est cool. De quoi, le glow stick? Niveau 10, normalement, vous avez le glow stick. Oh, je vais taper carrément glow... Ouais, glow stick, ouais, je l'ai. Je le claquer ou on claque tous en même temps? Alors, tu le prends dans la main. Ok. Tu fais clic gauche, tu le lances. Tu vas le lancer très loin, mais c'est pas utile. Si tu fais clic droit, tu le craques dans ta main. Donc on fera tous clic droit ensemble, c'est ça? Bah fais-le d'abord, parce qu'il faut que tu le fasses toute seule pour que tu vois à peu près la lumière que ça fait. Ok. En grande, t'as dit? Glow stick. Oh niveau 10. Putain. Mais non, refais clic droit. Mets-toi en troisième personne. Oh! Oh! Putain, j'ai dans le dos! Bah oui, et t'as vu comment ça éclaire? C'est un truc de malade! Combien ça? Par contre, ça fait bizarre de l'avoir dans le dos comme ça, mais bon, bah moi je vais continuer de d'attaquer pendant ce temps-là. Ah, oh, c'est trop stylé! C'est en fait, c'était les fameux cristaux en pic que t'as vu vert. Ils te donnent du cristal et les green gems. Ok. Par contre, c'est ouf, du coup, dans le jeu là. Comment. En fait, déjà, ça fait. Enfin, moi, il y a peut-être que moi qui ça fait ça. Ça me fait trop plaisir de galérer. En fait, c'est trop bizarre à dire. Mais en fait, j'en étais venu à un point où, quand sur Ark Survival, j'avais fait le tour sur The Island et sur les autres, j'avais fait le tour et je me faisais chier à force. Et là, ça fait du bien de ne pas connaître. De rien connaître, en fait. Enfin, ouais, bien évidemment, il y a des trucs, on les connaît, les dinosaures, il y a des choses, on connaît, bien sûr. Mais dans. Merde, j'ai pété ma. Mais de redécouvrir ça, ça fait un bien fou, je trouve. Moi, je sais pas, toi, t'en penses quoi, Arken? Ouais, carrément, parce que je l'avais fait beaucoup sur console, hein, du coup. Ouais. Mais, c'est vrai qu'on avait beaucoup tourné en rond sur les maps. Et là, vraiment, de redécouvrir le jeu, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et de découvrir les créatures comme ça, tu vois? Ah, puis là, tu vois, la belle surprise de voir un beau singe comme ça. Oh, la belle surprise, beau. La panique. Mais t'as vu, là, est-ce que t'as déjà joué à Evolve ou pas? Ouais. Ok, bah je sais pas si t'as déjà vu, le Goliath, à un moment, quand il gueule, il s'allume rouge en dessous. Enfin, tu sais, au niveau de sa gorge, ça fait rouge. Et bah je crois que c'est pendant son dernière évolution, je crois, ou un truc comme ça. Et là, ça m'a tout de suite rappelé ça, en fait. Ouais, c'est pas fou. Hein. Quand j'ai vu ça, mais la technique, je t'ai pas. On est d'accord. Bien, quoi. Ouais. Et si jamais vous avez faim, il y a des steaks dans le feu. Il y a 13 ouais, steaks. Ouais, bah j'ai mis des steaks dans mes slots déjà. Attends, je vais essayer de ramasser des narcos en attendant. J'ai une question, Anto. Oui. Que nous faut-il pour tamer un petit bulldog? Le bulldog. Parce que, étant honnête, ils m'intéressent énormément et ils sont trop trop mignons. Alors, le bulldog, pour le tam, il faut. J'en des ai batteries. Vu un rouge et noir. Oh, quoi, des batteries? Des batteries que tu peux craft au niveau 71. Quoi? Ou alors, tu peux le tam à la viande. Ah! C'est un tam passif, tu mets ta viande en dernier slot. Seulement, plus son niveau est élevé, plus c'est long. Et par exemple, pour un niveau 200 minimum, tu fais 1% par 1% chaque fois que tu lui donnes une viande. Donc il faut 200 viandes quoi. Oui, ouais. Puis bon courage quoi, parce que 1% par 1%. Et si c'est un petit niveau 1 hein, ah, si c'est un petit niveau 10. Il faut 10 de la viande même, crue ou de la bonne petite viande sec? Enfin bien cuite. Crue. Crue? Ok. Non, par contre, ce qu'on peut faire là vite fait, vous êtes à la maison ou pas? Non, pas du tout, on ramasse les. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a, dis-moi. On peut, je vois. Ce qu'on peut faire, c'est que on va avoir besoin de peau à mort par contre. Ouais. Donc avant d'essayer de tam quoi que ce soit, on peut essayer de monter là-haut. Et ouais. Tuer des bestioles pour récupérer de la peau. Ah oui, je le vois, c'est un timing passif aussi. Oui. Et il y a un truc qui est très drôle, c'est si t'as un chien sur l'épaule. Ouais. Et machin. Et ton chien, il a plus de batterie et qu'il fait plus de lumière.
Tu vas là-bas, il a plus de batterie, fait, et tu le recharges. Et tu, ouais, en fait, il va siphonner, il va siphonner la charge de il la va libellule. Siphonner. Et... Mais c'est quoi cette bestiole, bordel? Il y a un Ravager. Oh, c'est putain, donc ça. Ça, c'est vous. Oh, et on peut pas le tuer, les niveaux combien? Ah non, ça sert à rien. Il me court voilà, après. Il te court après. Et nous, nos holos, comme ils ont. Oh le bâtard. Cours vite, oh, tu chien. Ça saute et tout. Viens, par toi. Tu sais, les mecs qui sont loin. Oh, c'est bon, il court vite. Hein. Attends, il revient vers nous. Les champignons bleus servent de narcotiques aussi. Non. Si, les champignons bleus servent à faire des narcotiques aussi. Je viens de les mettre et j'ai pu en faire plus. Mais on est trop con, puisqu'on disait, tu me disais tout à l'heure que c'était des narcos. Oui, mais je ne savais pas jusqu'à maintenant qu'ils servaient putain, à faire des narcotiques. Attends, parce je vais t'enfiler, j'en ai 40. Hein. Allez, tiens, joyeux Noël. Hop. Mais oui, mais ça fait plaisir là. Faire pourrir les 19 viandes que j'ai sur moi encore. Mais là, ça va aller tout seul en fait. Bah, former les champignons. Former plus les herbes, former les champignons. Ça me fait penser d'ailleurs à Far Cry, le système d'hallucination. Les couleurs et tout. Dans le Far Cry 3, le 4. Ah ouais? Quand vous faites droguer ouais, dans pendant des missions, t'as les mêmes tons de couleurs. D'accord. Merde! Putain, je marche dedans. Moi, j'ai marché dans 3 là. Hop, oh, ah bah là je me noie là. Bon ça va, mon cadavre il est là. Oh comment je me noie, ah bah je vais crever là. Ça dure combien de temps? En bas à gauche. C'est bon, normalement c'est bon. Oh la chance, oh là là, je t'ai dit j'ai fait des. Oh la vache. On va arriver à plus de 100 là. Oh ah ouais, une femelle. Oh elle est fine hein, c'est vachement okay. Fin. Si on en a 100 c'est faisable, mais faut qu'on tire à 3 en même temps et faut qu'on vise la tête. Par contre faut faire gaffe, ils ont pas beaucoup de vie à ce niveau là. Donc faut pas y aller trop fort pour pas le tuer. En fait, va falloir y aller chacun son tour, hein, parce que ça, c'est des coups à la tuer. Hein. Non, le problème, c'est que si la bola lâche, on est mort les trois. Et si on speed jusqu'à la maison, il nous démonte la maison. Il va s'attaquer à la maison, oui. est-ce qu'on a un marteau comme dans The Forest pour réparer un pour réparer. Est-ce qu'on peut mettre des pièges à détonation. Et des trappes géants. Ah, ça serait bien. Moi, je vais le bolas. Ok, il va falloir qu'on lui tire tous en simultané dans la gueule. Dans la tête, ouais. Absolument. Sauf que du coup, je te rappelle que quand on fait ça, dès que ça va commencer à saigner, il va falloir déjà que genre on soit plus que deux à tirer ou un truc comme ça pour ralentir. Pour ça, à partir du moment où il commence à saigner, c'est à partir du moment où il commence à saigner au niveau des pattes arrière. À ce moment-là, ça devient très critique. Ok. Attends, juste un truc, par contre, il nous reste 40 narcos. Bon, après, tu me dis, on peut lui donner les champis, je suis con. 24, on en a chacun 24 là? Ah ouais, alors il me reste 40 pots de narco. Mais est-ce qu'on les garde pour lui filer pour la torpeur ou on lui file que des champignons? Non, on lui file que des champignons, on fait des flèches, bon, continue. Je continue à faire les flèches. Ouais. Non, les champignons, là, j'en prends 30, ça suffira. Et large. Ils bouffent quoi? La viande. Ouais, t'as assez de viande? Ouais, j'ai l'impression qu'on n'a pas assez de viande. Ça, je savais. Bah, je cherchais un mouton, puis alors, je suis tombé face à 3 ravageurs. Ah putain, t'es mort? Alors ils m'ont pris en pourchasse mais je cours 3 fois trop vite pour eux. Donc je vais les lâcher très vite. Je vous refile 10 flèches chacun. Ouais. Ouais vas-y. Moi dès que j'arrive. J'attends à la maison. Oh putain. Arrête de désynchro le mouton s'il te plaît. Mais je jette mes flèches, ça marche pas. Ah putain, fallait qu'il y ait. Allez, crève le mouton. Il y a un truc dans l'eau. C'est quoi? Oh, il y a un mouton dans l'eau. Je le bute? Vas-y, ça dépend son niveau. Hein? Ça dépend son niveau. Mais c'est pas celui que tu m'as dit qui était tombé? C'est possible, il doit être en sang alors s'il est tombé de ma part. Bah, je crois qu'il est mort, il bouge plus. Oh non, fais gaffe, y'a le chien! Il est mort, oui. Oh putain, je l'ai pas vu! Barta! Oh, il t'a vu, mec, je crois. Non, c'est non, il se barre de l'autre côté. Oh putain, ah, j'avais mort, pas vu, mouton. Il était dans le rocher. Il est mort, coupez-le. Putain. Mais oui, y'a le chien! Non, mais y'a le chien juste à côté. Hein. Attends. Il viendra vers moi. Elle est là, regarde, je la vois, elle est là. Là. Elle est peut-être pas toute seule. Non, elle est toute seule. Attention, elle arrive vers toi. Bon, elle est trailleur. Je sens mal. Faut viser la tête. Ah bah ouais, la tête, putain. Allez-y. C'est pas grave, ça devrait le faire. Elle saigne déjà, non? Dis stop, non, c'est bon, allez-y. Allez-y, c'est costaud ce truc-là. Ça a 3-4000 HP. Plus le temps que la narco monte, c'est la merde, hein. Top, ralentissez. Top. Tu l'as c'est eu, bon c'est bon. Je crois. Ouais, tu l'as eu.
Bon là, putain, il en faut combien? Rien. J'ai peur qu'elle crève. Allez-y, allez-y. Ouais, mais moi aussi j'ai peur. Elle dort. Yeah! Elle est couchée. Putain, putain, vas-y. Belle femelle. Mettez-lui la viande tout de suite parce qu'elle tient 30 minutes dans son bide. Ah, ça va monter de ouf avec la viande de mouton là! Normalement, on l'a touché. Le truc le plus intéressant avec cette bête, c'est comme le Tilacoléo, il a zéro dégâts. Mais enfin, mieux que le Tilacoléo, il a vraiment zéro dégâts de chute. Oh, sérieux? Mais zéro chez zéro. Ça, c'est bien. Bah, ça va être corrigé, tu vas le voir. Tu vois le gros pilier central en pierre en plein milieu de l'eau? Ouais. Tu vois, à un moment donné, tu vois une sorte de petite plateforme où tu pourrais te poser? Ouais. Tu es tombé de cette hauteur avec, hein. Oh, nada, que dalle. Même pas un pet de dégâts. Même pas. Même la bête, elle crie même pas. Donc, c'est qu'elle a vraiment zéro dégâts de chute. Ah, une femelle carquinos. T'as vu les sauts que ça fait, regarde. Whip, whip. Tu veux un call? 130. Quoi? Les carquinos, il y a des alphas aussi. Non. Ah non, mais si tu fais des blagues maintenant, moi non. Oui, donc tu veux l'appeler comment, Arken? Rien. Bah, faut lui trouver un petit nom, c'est une femelle. En plus, ils ont des têtes vachement. Alors attends, ça a une tête vachement agressif. Ça fait beaucoup de dégâts. C'est toujours en meute. Josiane. Non, elle est magnifique, la pauvre. C'est les truites qu'on appelle Josiane. Probable. Oh yeah. Ah bah d'accord, le one shot. Regarde. Ah non, s'il y a une salle, je veux la monter en premier. Donc, attends, regarde. À l'enfant. Regarde, ça c'est la salle de base, d'accord? Ouais, vas-y. Ah, t'as un skin, le skin qu'on a tous. Et attends, hop. Ça c'est la salle badass. Oh, ah, j'y vais. Fais clic gauche. Droit. Et c'est. Oh le sou! Oh elle est trop belle. Attends, je le refais parce que moi je voyais pas. Alors attends. Espace, clic droit. Et c'est. J'en veux une! Grave, vas-y, attends, je te montre. Vas-y. Tiens, à ton tour. Oh putain, elle est trop stylée. T'as essayé de sauter? Ouais. Bah, je m'attendais pas au one shot par contre. Moi non plus. Hein. Pas très rapide. Fais gaffe aux champignons. Ouais, à la ruche. Et ouais, les champignons. Ouais, ça va quand même. Allez, j'adore. Waouh. C'est bestial. Oh, les dents! Tu vois, tu sais quoi? Ah non, mais attends, elle est très. Attends, elle est très vampirique. Moi, ça m'inspire. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Quelque chose de vampirique. Alors, comment on peut l'appeler? Quelque chose. C'est une fille. Sylvanas. Ah mais attends, comment elle s'appelle dans Underworld? Sylvanas. Mais je sais plus comment elle s'appelle. Mais je crois que c'est pas un nom ouf dans Underworld. Hein. C'est un ouais, nom... Ouais. Non mais Sylvanas, c'est stylé. Vas-y, allez. Non? Allez, c'est parti. Faut vraiment tenter de se faire... Ouah, j'adore sa démarche quand tu zoomes et que t'es sur son dos. Tu vois bien ses omoplates, tu sais, bouger de gauche à droite. Là, le but qui serait cool, c'est de se faire masse flèche narco. Hein. Elle a chopé 44 levels. Hein. Ah ouais. Putain, elle est belle ma pépette. Hein. On lui montre quoi? Sa vitesse dans... Elle a 135 de vitesse et elle a. Moi je montrais sa vitesse, c'est dégueu. Ouais, moi aussi. Anto. Elle a combien d'HP? Elle a 1920. Faut monter au moins 3000 HP. Hein. Ouais, vas-y. Donc HP, dégâts et. Monte les HP en prio. Comme ça on la perdra pas trop vite. D'accord, ok d'accord, donc on est déjà dans l'optique de la perdre. Gars, elle est défaitiste. Ouais, grave. Celle-ci, elle va mourir. Pas défaitiste, c'est juste que... Donc j'ai vu des dinos plus élevés se faire des pop plus vite. Elle fait pas beaucoup de dégâts, va falloir lui level up ses dégâts. Ok, c'est bon, il saigne. Je suis la moitié de ma vie, c'est bon. De toute façon, on s'y mettait à deux, hein, je t'aidais. C'est bon. Je descends en bas, lui donner la viande? Non, je fais quoi? Non, là, moi, la viande, il me reste 18 secondes. La viande, faut la déstack hein, pour qu'elle. Ok. Là, il y avait des ravageurs. Il y en avait un 120. Ils étaient 3. Je pense que merde. Le 120, on a largement de quoi se le faire. Oh, mais par contre, il y a un truc qui me perturbe avec son visage. C'est que ça a la gueule vachement fin. C'est très allongé, très fin. Ouais. Par contre, les dents. Putain, je mets pas mon bras. Hein. De la merde. Hein. Et t'as vu les oreilles? Il y a une extension de l'oreille assez incroyable. C'est plus intéressant. Ah mais les spots à métal, là, j'en ai pas vu. Hein. C'est ça par contre, le métal sur la map, là, j'ai pas vu. Si je pense vraiment sur la map, tu vois, tu dois avoir plusieurs zones. Putain. Ouais, et c'est ultra rare. Ouais. Là, je suis choqué par contre, j'ouvre ma carte, on a rien fait. Pour le moment, on a fait que ces petits côtés-là, quoi. Mais en même temps, à chaque fois que tu bouges, tu te fais défoncer, alors. Non mais tu te rends compte, j'ai tellement hâte de découvrir tous les biomes, je me dis, on est juste là, quoi. Il y a un Bulbdog 50, là, si tu veux le tenter, ça devrait aller vite. Oui.
J'espère qu'elle est rouge. Ou qu'il est rouge. Parce que les verts ils sont pas top. Je crois qu'il est vert. Oh, y a plein de champignons là à ramasser en plus. Pose une question. Non, elle ramasse pas. Et là. Des tronches. Oh. Mais tu mets de la viande dans ton dernier slot, tu te mets derrière et tu lui donnes à manger. Merde, j'ai bouffé. Non, la conne. Faire. Mais oui, je suis con. Oh. Non, bon, tu fais 6% par 6%. Il y a un ravageur 230 qui est tout seul là. Oh. 230. Ouais, il est en train de fracasser un stego. Bah tiens, viens vers moi, Arkane, si tu peux. Moi, ma je sais pas si tu vois ma lumière là, ouais, t'as à gauche. En fait, le ravageur est là, et en fait, si tu veux, il met un dot de saignement, c'est-à-dire que c'est comme, je sais plus quel dino, tu vois vraiment le sang giclé de la personne. Bah, c'est le Tilacoléo. Non? Oh putain! Et voilà. Tu peux se le tenter si tu veux. Ouais, c'est parti. Putain, et moi, je suis avec mon bulldog pendant ce temps-là. Enfin, mon bulldog. Vise bien la tête, là, par contre, on fracasse, hein. On s'arrête pas, tu y vas. T'as encore une et j'arrive, moi. Ouais, par contre, on va avoir besoin de toi parce que j'aurai pas assez de flèches perso. Sérieux? Ouais. Ah, elle se taille, elle va tomber si elle se taille, non? Ouais. Elle est dans le coin, continue. J'ai bolas, c'est bon. Vous êtes où, hein? Il reste plus que 10 flèches, ouais. Hein. Vous êtes où? Tu vois pas nos lumières? Si, c'est bon. Je dois tout lui mettre dans la tête? Bah là, dans le cul, t'as pas le choix. Vas-y, hein. J'espère que c'est les bonnes flèches que t'as, hein. Ouais, c'est les bonnes flèches. Vas-y. Moi j'ai plus de flèche, hein. Là, tu veux que je te balance un stack? Non, vas-y. Flèche, j'ai tout lancé. Elle fuyait, elle va pas tarder à tomber. Aïe, salope. C'est bon? Oh putain! Elle va me tuer. Elle me court après. Elle est où? Je la bola. Ni quand j'arrête, hein. Ah, vas-y. Fous tout. Putain, il m'en reste 50, hein. Ouais, vas-y. Bolas, c'est bon, elle est bolas. Ouais, j'arrive, par contre, le chien il est où là? Go. Elle est où? Vas-y, là devant. T'as divisé ou pas? Non, pas encore. Bah fais-le vite maintenant, comme ça, vu qu'elle vient d'être bolas. On n'aura jamais assez de flèches. T'as pas deux arcs? Si, je suis en train de le faire là. Elle dort, bon. Stop. Oh putain, yes. Ouais, et l'autre elle est où? Putain, vite. Tu vas la chercher? Y'en a un qui reste à côté. Vas-y. Je bouge pas. Parce que celui-là il va faire mal, hein. 230. Putain, la merde. Oh, t'as l'air rempli de viande en plus à l'intérieur. Putain, il va faire trop de dégâts. Fais voir ses statistiques. Oh, dégâts 204. Oh putain, les PV 3600, on est pas mal en PV. Hein. Ah ouais. Torpeur encore, de 7300. Encore, il a pas up. Hein. Oh, on a pas de la viande de mouton, c'est bien dommage. Putain. Il faudrait aller lui mettre de la viande et chercher un mouton. Avec la viande de mouton, ça irait. Ça irait nickel. Hein. 105 niveaux, ce serait propre, mais. Ah bah, ça serait putain 3 contre. Ah, 335, le monstre. Ah ouais, il va casser des culs, hein, mais... Tu te fous pas de mouton? Pas pour le moment. Et en plus, il y a le boost de team, tu sais, quand ils sont en équipe. Mais je sais pas pourquoi, la musique, elle était putain d'épique. Que j'avais dans les oreilles, on aurait dit la musique de Terminator. Oui, ah ouais, c'est la... Du coup, j'ai envie de l'appeler... Ah bah non. Ouais, c'est une fille. Tu veux l'appeler comment? Je veux l'appeler Schwarzenegger. Mais c'est une fille, ça va pas. Je vais appeler T-1000. La musique, ouais, ah, c'est ouais. Quand t'es en plein fight... Genre les griffes, ouais. Elle est belle avec la couleur là, les griffes et les dents, ça ressort bien. Mais grave. Bien celle-là. Ouais, putain, et franchement, tu imagines si on en a un chacun? Oh, bah tu me l'as pris. T'es, il est cool, hein. Par contre, c'est pas celui que je voulais. Moi, j'en avais vu un noir et rouge. Donc, tu fais comment pour le faire, le lâcher? Tu double F. Si je maintiens E. Ah, auto-activate at full charge. Betonat. Oh. Wouh. Pas trop beau. C'est trop bien en fait quand tu maintiens E. Regarde, tu peux éteindre. Voilà. Ensuite, enemy player detection. Oh, trop bien, max level white creature detection. Mais c'est trop bien. C'est un vrai petit détecteur ce truc. Auto activate at full charge. Oh, c'est bien, c'est dès qu'il est full charge, il s'active automatiquement. Moi, je vais lui dire. Fais voir, je rallume la lumière. Il est trop beau quand j'allume, regarde ce qu'il fait. Ouais. T'entends le bruit qu'il fait? Ouais. Il fait le même bruit que mon bulldog, c'est pour ça que ça me choque pas. Qu'est-ce que tu penses d'aberration pour le moment? Pour le moment, je suis agréablement surpris. Ouais. Je sais pas qu'au début, je te disais l'univers et tout, j'avais ce que le arc de base, j'ai adoré. Et là, l'univers me rebutait un tout petit peu, pour être franc. Ouais. Franchement, je suis trop content. Trop bonne. Sérieux? Surprise. Ouais, carrément.
Donc lui... Ah, t'as ce qu'il faut, toi. T'es très content. Pour qu'il court comme ça, lui. T'es pas déçu, hein? Oh non, pas du tout, justement. Ah. Agréablement surpris. Est-ce que ça te donne envie de rejouer Ark? Pas du tout. Bien sûr que oui. Pas de... Franchement, non. J'adore les quelques nouvelles créatures qu'on a pu voir, là, franchement. On n'a pas vu grand-chose, mais alors, une chose est sûre, ça m'a tétanisé de voir tout à l'heure le singe. Parce que je sais pas si t'as vu la même chose que moi, en fait. Parce que moi, je l'ai vraiment vu marcher tranquillement, avec une démarche très félin, vers une plante. Et là, je l'ai vu sentir la plante, il s'est levé tout son corps, c'est rempli de roux jusqu'à sa gorge, il a ouvert sa gueule comme une fleur, et là, le bordel, il s'est levé, il nous a couru dessus. Je l'ai vu s'allumer, moi. J'ai juste vu au moment où il s'allumait. C'est ah, là, c'est là que toi, je l'ai vu. T'as pas vu la scène horrifique du bordel qui marchait, qui s'est transformé et tout? Ouais, moi, c'est... Ouais. Ça me paraît trop gros, un truc pareil. Si, c'est ça. C'est le singe? Ouais. Donc le singe me toucherait pas si j'avais mon bulldog sur moi. Ils ont peut-être peur de la lumière. Ah, de la lumière! De la charge qui crée. Du coup, ça les... Enfin, ça les fait fuir. Il y a des gollums, les trucs. Gollum! Gollum! Oui. C'est où? Oh bah, bah tiens. Oh bah. Oh le cri, putain mon pote. Que je mets comme nom? Je sais pas. Bah, oui. On voit l'alpha. Ah oui, elle est passée alpha. Du coup elle est rouge. Quand tu les regardes bien de face, tu sais à qui me font penser? Vas-y, dis-moi. Au Worgen quand ils étaient méchants. Quand ils sont incontrôlables. Ah oui, c'est un Worgen, t'as raison un peu. Worgen. Bah je sais pas, Arkane, t'as une idée? Bah, à la limite, pas, au pire, là. tu fais cancel et puis on mettra un nom plus tard. Ouais, on mettra un nom plus tard. Mais la lumière que ça fait, mon bulldog, regardez! Vous voyez la lumière ou pas? Ouais. C'est un truc de malade. Au-dessus de toi, hein, si tu regardes bien. Ouais! Moi, je vais essayer de pas aller dans la flotte, donc j'ai lâché le parachute puis je l'ai rouvert au dernier moment. Mais regarde, viens voir. Là, quand tu regardes la tête, là. Ça te fait pas penser aussi, bon je regardais pas trop la série, mais dans Buffy contre les vampires, quand ils se transformaient, ils avaient des gueules comme ça. Ah oui, vachement plissées, c'est vrai. Voilà, ouais, avec les yeux très méchants. Et bah sinon on l'appelle Buffy, voilà. Ouais, c'est vrai. On l'appelle Buffy? Ouais, pourquoi pas. Super, hein, les noms. Dites-nous dans les commentaires d'ailleurs les noms que vous pourrez voir pour les ravageurs, parce que vous mettriez comme nom. Comme ça se trouve, on pourra sélectionner un nom, tu vois, dans les commentaires. Et pour la prochaine bestiole, eh ben on utilisera le nom. Bon bah, tu mettras le nom. Ah, mais qui c'est qui a écrit Buffy en gros caractère? C'est moche en gros comme ça. Oh bah, c'est honteux ça. Bon les copains, du coup on va s'arrêter ici pour cette vidéo. On en est à 3h15 de règles pour vous. Tout est condensé bien évidemment. Je sais pas en combien de temps c'est condensé. Je pense que ça sera condensé en 30 minutes. Pour moi, une longue nuit de montage m'attend. J'espère tout cœur que cet épisode sur Aberration vous aura plu. Du coup, pour le coup, ça aurait été la Tam au Ravager. C'était assez dingue, et comme je vous l'ai dit, je ne connaissais aucun des dinosaures en fait d'Aberration. J'ai pas voulu me spoiler, bien évidemment, j'ai vu ceux du trailer, mais après je connaissais en aucun cas leur nom, je sais pas ce qu'ils doivent manger, je ne sais rien dessus parce que je voulais vraiment découvrir et être en découverte totale du jeu. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça me fait vraiment plaisir, ça m'aide à savoir si vous ou non vous voulez une suite. De toute façon, je pense vraiment faire une suite sur les timings pour les autres dinosaures. Il y a aussi le petit bulldog, du coup ça sera la petite mastoc, on l'appelle mastoc, oui bien sûr. Mascotte de l'équipe, on l'appellera Knuckle, hommage à mon chien qui n'est pas décédé hein, mais qui ressemble fortement. Oui, mon chien a des nageoires, il y a une lumière au bout de la gueule bien évidemment. Donc du coup je vous fais de gros bisous comme d'habitude, n'hésitez pas à me follow sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat, de toute façon tout est listé dans la barre d'infos. Ces derniers temps j'étais pas trop sur les réseaux sociaux, Snapchat, Twitter et tout le bordel, mais maintenant c'est bon, je suis de retour. Je vous dis à demain les copains pour un live sur Twitch. On verra à partir de quelle heure, 21h, 21h30, on verra, peut-être sur Ark, peut-être sur The Forest, je ne sais pas encore. Je reprends mon souffle, je vous fais de gros bisous, je vous aime fort les copains. Et du coup, les copains, je vous laisse dire au revoir tout simplement. Ciao. Ciao tout le monde. Et ciao tout le monde.